Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire un film de plus, et un film non pas sur la ligne ou l'histoire passée de la liaison ferroviaire Thiers-Bohain, mais sur son avenir. Excusez-moi, je ne suis pas voyant, je ne suis pas médium, et je vais quand même essayer, grâce à cet instrument, grâce à cette boule de cristal, puisqu'il paraît qu'on peut voir dedans l'avenir, je vais essayer de faire quelque chose pour vous. Oh, les voisins là! Vous pouvez fermer votre télé? Moi je suis en train de travailler là, hein. Je rigole pas. Ça doit se faire là, hein, quand même, c'est pas exagéré quoi. Allons-y. Pas toujours facile, hein. Je vois quelque chose qui arrive. Oh, je vois une ligne en mauvais état, hein. Très mauvais état. Abandonné bientôt, non? Ouh là là, j'espère que c'est pas... Je vois des lits, des gens qui arrachent des herbes, qui sont sur la ligne, qui marchent sur la ligne. Je vois des gens avec des écharpes tricolores. Ah ben oui, c'était une manifestation. Mais ça, c'est la manifestation qu'il y a eu ces derniers temps, là. Il y a plusieurs manifestations pour la réouverture de la ligne. Bon, mais ça, c'est le passé, c'est pas le présent. Il faut que je me concentre un peu mieux. Oh là là, je vois des guerres. Oh là là, je vois des grandes perturbations. Des guerres. Des gens qui se massacrent. Des manifestations. Des troubles sociaux. Je vois des pipelines qui brûlent. La sécheresse, des règlements climatiques, des migrations importantes, des gens qui fuient leur pays à cause des règlements climatiques, des guerres, de toutes les perturbations. Ils viennent dans les campagnes, ils viennent là, ils viennent dans les villes. Je vois les gens qui en ont assez de vivre dans... Non, je vois des camions en arrêt sur l'autoroute, des files de camions immenses. Je vois des voitures abandonnées. Mais oui, c'est ça. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus rien. C'est la pénurie totale. Les gens n'ont plus rien à faire de ces voitures, plus rien à faire. Les gens repeuplent les villages. Ils en ont marre des villes. Ils veulent revivre une vie normale. Équilibrée, saine, conviviale, quelque chose de sympa, quoi. Pas d'être dans les embouteillages, dans les métros bondés, dans les... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Les campagnes se repeuplent. Il y a des gens qui... Des chevaux? Il y a des gens qui reviennent à la traction animale. Oui, c'est formidable ça. Il y en a même qui débardent de bois avec des chevaux. Ils épargnent les forêts de cette dévastation des machines modernes, ça c'est sûr. Ah oui, les gens ont la nostalgie du train. Ils ont vu le train dans de nombreux films, avec bien sûr des histoires d'amour, des histoires de rencontres. Peut-être même il y en a qui ont vécu ces histoires d'amour et ces rencontres. Des gens qui ont mangé dans les trains. Et on qu'on dormit dans les trains. Soucieux d'assurer le confort maximum aux plus petites bourses, les chemins de fer ont créé les wagons-bars. Eh oui, même la SNCF voulait gâter ses clients. Un service parfait y est assuré aux voyageurs. Et là, qu'est-ce que je vois? Un train qui avance dans la neige. Magnifique, quelle image magnifique. Un petit train qui passe à la gare de Saint-Just en plein hiver. Le train était là. Mais bon sang, mais c'est un de mes descendants, c'est mon arrière-petit-fils. Mais oui, je vois mon arrière-petit-fils avec une casquette de cheminot sur la tête. Contrôleur?
Contrôleur sur la ligne, beau, hein? Tiers. Clermont-Ferrand, Thiers, Bohain, sans oublier Noiretable, Saint-Étienne. La ligne irait ouverte.